Nassim Amaouche étudie la sociologie et l'histoire à l'Université Paris-Ouest et Nanterre La Défense. Il se forme à l'Institut international de l'image et du son qui lui permet de produire son premier court-métrage de l'autre côté. En 2004 à Cannes, il reçoit le prix de la critique lors de la 43e édition de la Semaine de la critique. Agnès Jaoui voit son court-métrage et l'encourage à passer au long-métrage. Ainsi commencent les prémices du film Adieu Gary avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle du père de Samir. Le film sélectionné à la 48e édition de la Semaine de la critique au Festival de Cannes 2009 remporte le Grand Prix. Le père de Nassim Amaouche, né en Kabylie, a survécu à un bombardement qui a démoli sa maison en 1957 pendant la guerre d'Algérie. Encore enfant, il quitte l'Algérie pour la France. En 2012, son retour sur les lieux de son enfance est le sujet du film de son fils, Nassim Amaouche, En terrain connu. Le film constitue une des quatre mosaïques du long métrage Maoussem Issa d'album de famille. En 2015, dans le film des Apaches, le réalisateur joue Samir et explore la relation père-fils dans la communauté kabyle. La mère de Samir, interprétée par Laetitia Casta, disparaît. L'actrice joue également l'autre rôle de la jeune femme que Samir rencontre. En 2016, Nassim Amaouche avec Lara Stone et Mathilde Bisson rejoint la distribution du court-métrage En moi, de la réalisatrice Laetitia Casta.